Bonjour et bienvenue en direct du Mexique. Je vais vous initier à la magie du silex couplé à un CMS. Comment ça se passe quand un client veut éditer lui-même son contenu alors que vous, vous voulez faire votre site avec silex parce que c'est quand même beaucoup plus facile de le faire en drag and drop et que et de le déployer, etc. Enfin, tous les avantages que vous a silex. Mais vous n'avez pas envie de donner accès à tout le design à votre client. Donc comment vous allez faire? Eh bien, vous allez mettre silex d'un côté, dans un CMS de l'autre, dans un truc, et voilà, tout ça. Et ça va donner à la fin un WordPress, mais en beaucoup mieux. Pourquoi il est beaucoup mieux? Parce que ça va donner des sites statiques, c'est-à-dire que c'est juste des fichiers. Là, ce qu'on va faire, c'est le client, dès qu'il éditera un article ou un bout de titre quelque part ou une image, eh bien, tout simplement, on va régénérer tout le site. C'est pas très long, c'est pas très coûteux, et on va le remettre en ligne automatiquement. Du coup, il n'y a pas de PHP, pas de base de données, rien du tout qui est exploitable par des pirates de l'internet. Ça coûte rien du tout, c'est tout gratuit puisque les outils que je vais vous montrer sont gratuits et dans la mesure du possible open source et l'hébergement est gratuit parce que ça coûte rien d'héberger des fichiers. Quoi d'autre? Pourquoi que c'est mieux que WordPress? Bon, bah, il n'y a pas vraiment de plugins, etc. C'est vraiment des sites qui n'ont pas de back-end. Donc, pour tout ce qui est back-end, si vous voulez rajouter des commentaires, je ne sais quoi qui nécessiterait un back, un serveur, envoyer des mails, etc. Bah, vous allez utiliser des services tiers qui seront en général gratuits aussi. On y va. Alors là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un super site très simple que j'ai choisi pour vous. C'est un site Jekyll de base. La tête, on s'en fout puisque de toute manière, on va remplacer tout le design par quelque chose que vous allez faire avec Silex. Donc là, par exemple, il y a un flux RSS. C'est très, très, très utile. Donc dans la page About, il y a juste du texte. Dans les posts, il y a des liens vers les posts. Et sur la homepage, il a carrément affiché les posts de blog. Mais nous, on va tout refaire. On va juste utiliser cet outil pour centraliser le contenu et faire le lien en fait entre Silex et un CMS. Ce super thème Jekyll, je l'ai trouvé sur Google et ça m'a amené en fait en réalité non pas sur la démo que vous voyez là, mais sur le code source de ce site qui est là. Pas besoin de le comprendre, pas besoin de le regarder. La seule chose qu'il faut, c'est le copier-coller chez vous, c'est-à-dire que vous ayez une version de ce site que on va pouvoir modifier. Et pour ça, GitHub est exprès fait pour ça. Donc il faut avoir un compte GitHub et il faut cliquer sur fork ici là. Voyez, le petit fork. Ça, ce que va faire GitHub, c'est il va vous copier-coller tout le site de chez le gars qui l'a fait, qui s'appelle David, et il va vous le mettre chez vous, sur votre compte GitHub, pour que vous puissiez le modifier. Voilà, c'est déjà fait. Je suis très content. Et donc, maintenant que je l'ai chez moi, bah, je vais vouloir tout simplement éditer son contenu avec un CMS. Le CMS que j'ai choisi, il s'appelle Siteleaf, et il s'appelle Siteleaf comme une feuille de site, et il est là, il est à siteleaf.com. Il y en a un autre qui est open source qui s'appelle Netlify CMS, qui est vraiment terrible, et pareil, qui est très customisable pour votre client et tout, mais j'avais la flemme de l'installer, donc j'ai pris Siteleaf. Il y a une version gratuite avec quelques utilisateurs, et pour un site, même un site un peu costaud, c'est très très bien. Donc j'ai cliqué sur login, j'étais déjà logué dans mon truc, et là je vais créer un nouveau site dans Siteleaf. Je vais lui dire, va le chercher sur GitHub, puisque je veux pas le faire tout à la main, j'ai envie d'utiliser le truc que David il a fait et que j'ai mis sur mon compte GitHub, donc je fais connecter avec GitHub. Oui, vas-y, connecte-moi. Il me demande, bah, il s'appelle comment? Bah, il s'appelle, là, moi, mon truc, il s'appelle Thinkshan Jekyll Simple, il l'a appelé. Thinkshan, c'est mon compte de test. Donc, Thinkshan Jekyll Simple. Donc, Jekyll Simple, voilà. On laisse la branche par défaut qui est master. Pour ceux qui comprennent, ils sont contents. Pour les autres, ils s'en foutent. Voilà. Donc là, il est en train d'importer tout le site. D'accord? Et la première chose qu'on va faire pour finir l'installation et la connexion entre donc Jekyll, qui est le truc central que vous n'avez pas besoin de comprendre, et en fait Siteleaf, qui est le CMS que vont utiliser vos clients. Comment on va faire? On importe de site. Maintenant, on va choisir un plan. Le plan, ça va être le plan gratuit, hein. Donc, je vais aller dans Settings ici. Et je vais. C'est juste. Là, il y a une période d'essai où il me donne toutes les fonctionnalités, mais moi je veux voir la tête que ça a quand c'est gratuit. Donc pour ça, au lieu du free trial, je vais prendre développeur free.
Voilà, donne-moi, mets-moi dans les conditions, même si c'est dans 30 jours, ce sera toujours comme ça, quoi. Ce sera toujours gratuit. Je ne veux que les fonctionnalités gratuites. Ça, c'est important de le faire. Il y a un deuxième truc qui va être important de faire, c'est de configurer le hosting. Donc, ici en haut à droite, vous voyez un truc Setup Hosting. Ou bien ici, vous avez un onglet Setup, enfin Hosting. Donc, en gros, il va falloir créer un hébergement. Paramétrer l'hébergement. Donc moi, mon hébergement, c'est GitHub Page parce que je veux que tout soit gratuit. J'ai tout mis sur GitHub. On va continuer comme ça. Je lui dis de bien me connecter à GitHub. On est d'accord. Il me redemande encore où je veux le mettre. Je vais lui dire, mais c'est toujours le même. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est SyncChain. Comment s'écrit mon truc? SyncChain. Et il s'appelle Jekyll Simple. Voilà. Et là, la branche par défaut, je la laisse, je la touche pas. C'est GH Pages. Pour ceux qui comprennent, tant mieux. Pour les autres, on s'en fout. Allez, c'est parti, je fais sauvegarder. Et maintenant, je n'ai plus écrit configurer le hosting, j'ai écrit publier. C'est pas mal. Mais avant de publier mon site, que pour l'instant j'ai pas changé, donc ce sera sans surprise le même, je vais changer la configuration de mon site. Donc dans l'onglet général, on voit un petit peu quelques configurations. Il y a une seule chose qui est vraiment importante. Il y a déjà là il y a le URL de mon site, c'est pas l'URL de David qui a fait mon truc. Donc je vais tout simplement supprimer ce que j'aime pas. Voilà, je remove. Il y a GitHub Username. Bah ça, moi j'en ai un, c'est SyncChain, lui il s'appelle Wild Flame. Wild Flame. Et bah ça en fait, j'ai pas envie de. Juste, je l'enlève. Je pourrais écrire SyncChain, ce serait pareil, mais je l'enlève. Voilà, j'enlève tout ça. Et le truc que je trouve bizarre aussi, c'est Base URL. Donc pour le changer, ce truc-là, il faut aller en bas dans Unlock Advanced Field. Il faut rentrer dans la configuration avancée. Et ça aussi, je vais le supprimer. Donc, c'était Base URL. Il dit qu'en fait, en gros, mon URL, c'est slash Jekyll simple. Je pense que c'est. Je sais que c'est inutile, voire même que ça fout le bordel, ce truc-là. Parce qu'avec Sitelif, il faut pas lui dire où est le site. Sitelif va le faire lui-même. Donc, c'est pareil. Base URL, je remove. Donc, j'ai remove Base URL, j'ai remove. J'ai supprimé aussi le compte GitHub du gars qui a fait le thème et j'ai supprimé le site du gars qui a fait le thème. Non pas que je veux pas lui donner un petit crédit, n'hésitez pas à lui donner du crédit, mais déjà d'une, on va dégager tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire son design. On va garder son contenu d'exemple, c'est tout. Et puis de deux, ça foutait le bordel. Voilà. Donc je sauvegarde. Maintenant, cette fois-ci, je vais pouvoir publier mes changements. Non. Alors qu'est-ce que ça fait? Ben, ça va déployer le site, tout simplement. Et le site ici à gauche, vous voyez, il y a ces pages, les posts, et il y a des collections, on va voir ce que c'est, et puis le reste, on s'en fout. Dans les pages, il n'y a qu'une seule page, c'est About. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une seule page avec du texte un peu en dur, voilà, c'est About. Et là, quand j'ouvre, j'édite About, donc même sans rien changer, en tout cas, il me donne ici l'adresse à laquelle est mon site, et la page About. Voilà, donc je vais l'ouvrir dans un autre onglet. Alors, voilà, il me dit, bah non. Bah non, désolé, non, ça n'existe pas. C'est pas grave, c'est qu'en fait il prend un peu de temps des fois pour le compiler. Vous allez voir, on va passer pas mal de temps à faire autre chose pendant qu'il compile. Et cette page about, je vais tout de suite la changer. Je vais dire, je vais juste mettre un truc genre Hello World. Ok, voilà, je vais sauvegarder et pour vous montrer comment ça se passe. Et après, je fais publier. Voilà, sauvegarder, publier. Tant que j'ai pas publié. Et ben j'ai juste sauvegardé. Hein. Jusque-là, ça va. Alors, est-ce que mon site sur le. Déjà, est-ce qu'il existe là? Alors, la page About n'a pas l'air d'exister. Par contre, la page. Ah, si, ça y est, pardon. Bah, ben, voilà, j'ai juste mis du temps à. Voilà, ça mettait du temps à tout compiler. Donc là, d'ailleurs, il a un moment de retard puisqu'il a encore le contenu. Moi, j'ai écrit Hello World. Voilà, j'ai effacé l'ancien contenu. Donc, il va mettre du temps à le mettre en ligne. Maintenant qu'on a fait une page ici, on va faire un truc tout de suite très important. On va supprimer tout ce design et on va refaire le design avec Silex. Donc, comment ça se passe dans Silex? Silex, vous vous rappelez, là on va aller sur preprod.silex.me et non pas Silex.me tout court, parce que preprod c'est là où il y a la version de test et la publication de site Silex pour Jekyll, elle est juste sur Preprod pour l'instant, elle est en bêta, elle n'est pas encore officielle. Au moment où vous regardez la vidéo, peut-être que oui. Donc le temps que je parle trop. Donc Jekyll, il a eu le temps de compiler notre site. Et maintenant, vous voyez, j'ai bien ma page About Hello World, ma page About Hello World. Alors,
Avant de passer dans Silex, quand même, il y a un truc là quand j'édite une page, il y a Advanced Options, donc il y a les options avancées. Donc ici, vous pouvez changer le chemin vers la page. Si vous mettez rien, il va mettre une .html, about.html. Là, lui, il a mis about, donc ça fait pas de .html, il n'y a pas. C'est assez sympa, je trouve ça plus design, plus classe. Et il y a surtout layout. Et là, dans les layouts que nous propose ce thème par défaut, qui a été fait par David, toujours, il y a default, il y a page et il y a post. Bon. Et ben dans Silex, on va en faire un nouveau. Donc, comment ça se passe? Pour faire des layouts dans Silex, et ben tout simplement je me rends sur preprod.silex.me, je choisis une template au hasard. On va choisir sans surprise la même que la dernière fois. Elle est moche, mais moi je l'aime bien. Voilà, donc c'est celle-ci. Donc j'ai ouvert une template, n'est-ce pas? Et cette template, eh bien, je vais tout de suite la sauvegarder quelque part. Alors je vais la sauvegarder moi, je sais pas, dans Dropbox, dans GitHub, dans Nextcloud, les trucs open source de équivalent à Dropbox, je sais pas. Nanana. Bon, je vais le sauvegarder au hasard dans Dropbox. Je fais OK. Voilà, c'est tout. Il faut bien que je le sauvegarde quelque part. Et Silex, lui, ne veut pas avoir mes données. Donc, je dois le mettre chez moi quelque part. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais tout de suite le publier, mon site. Donc, je vais faire publish, le petit nuage publish. Et là, Silex m'offre plusieurs options. Vu qu'on est sur la version bêta de Silex, il y a Jekyll Layout. Il est là. Jekyll Layout. Donc je choisis Jekyll Layout, je fais suivant. Il me demande où est mon Jekyll? Ben, à votre avis, il est sur GitHub, vous vous rappelez. Donc là, je vais dans GitHub et je l'avais mis dans Jekyll Simple. Voilà. Master. Vous vous rappelez qu'on a en fait. J'ai dit si vous le comprenez pas, c'est pas grave, si vous le comprenez tant mieux. Ben voilà, mais il fallait quand même savoir qu'on a laissé le paramètre par défaut du CMS là, et c'était dans master. Donc voilà, donc je lui dis bien mon voilà, il est là, hein, mon Jekyll, il est dans master. Tac, je fais OK, sauve, publie. Donc Silex va publier cette magnifique template dans master. Et vous voyez qu'il crée entre autres page 1.html. Donc pourquoi? Parce que dans les pages là de cette template, j'ai une seule page et elle s'appelle page 1. Et ben donc ça va faire quoi? Ça va faire que ici, si je rafraîchis mon CMS, en fait j'ai un layout qui maintenant s'appelle page 1. Oh! Donc si je le change le nom dans Silex, ici, si je l'appelle layout mieux, ou si je l'appelle comme l'autre, la default ou page, ben, ça va créer ces un ou plusieurs layouts que je pourrais utiliser dans chacune de mes pages ou de mes posts de blog. Là, je vais donc attribuer à ma page About, je vais lui dire, toi, maintenant, tu utilises mon layout que j'ai fait dans Silex. Je sauvegarde, je publie, sans surprise. Et j'attends que déjà Sitelif ait publié. Il met un peu de temps parce que maintenant, là, il est en train d'uploader tout mon, bah, mes images, tout ce qu'il y avait dans ma template Silex, là. Alors, vous allez me dire, bah, c'est super. C'est super, je suis sûr que vous allez me dire, c'est super. Donc je rafraîchis, j'attends un petit peu. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire? Bah, ça va utiliser. Alors, il y a mon contenu là que moi j'ai rentré dans Sitelif et il y a mon design que j'ai mis dans Silex. Et ben, ça va juste utiliser mon design dans Silex pour cette page-là, s'il vous plaît. Ça peut mettre une petite minute, alors on va peut-être pas s'énerver. J'ai bien mis ici le layout que j'ai créé dans Silex pour ma page qui s'appelle About. Voilà. Et ça va venir. Alors, ce que vous avez remarqué, c'est que là, en fait, il va foutre voilà. Donc là, il a bien mis dans ma page About, il a mis, il y est presque, il est en train, il a bien mis. Allez là. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Il galère un petit peu, peut-être. Peut-être qu'il faut lui laisser un peu de temps. Il a l'air surtout de ne rien trouver de mes images, etc. Alors, j'ai dû faire une connerie. Dans Silex, je reviens dans Silex, je fais publier et je vais vérifier mes paramètres. Il a bien publié Jekyll Layout dans Jekyll Simple Master. Moi, j'ai bien fait ici. Je vais refaire publish là pour être sûr quand même. Voilà. Et lui, mais qu'est-ce qu'il a fait alors? Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne trouve aucune image et rien du tout et pas les contenus, rien du tout de ma template. Alors je vais recommencer, je vais tout recommencer, je publie.
Super. C'est super. Donc je publie ma template avec Silex dans Jekyll Simple. Il me dit oui, c'est bon. Je vais retourner dans mon CMS. Je publie ma page et tout le reste. Voilà. Et je retourne dans GitHub, enfin sur mon site. Et je vais attendre un peu qu'il ait eu le temps de publier tout ça. Bon. Je vais vérifier qu'il a bien fait son travail dans les sources, mais ça, vous n'avez pas besoin de le faire. Et est-ce que j'ai bien les images? Bah ouais, j'ai les images et tout. Bah alors, qu'est-ce qu'il me fait? Très intéressant. En effet, il a fait n'importe quoi. C'est pas grave. Je vais créer une nouvelle page parce que celle-là, elle est pourrie en fait. Voilà. Donc je vais créer une nouvelle page et je vais l'appeler test. Voilà. Dans son contenu, je vais mettre Hello World. Voilà. Je la sauvegarde, je la publie. Et je vais regarder. Donc il me donne une URL. Je vais prendre cette URL ici. Je vais essayer de voir ma nouvelle page. Alors, ça va mettre encore un peu de temps pour se faire. Pendant ce temps, je vais vérifier les options de cette page. Advanced Options. Ah bah j'ai pas spécifié mon layout. Alors par défaut, il va prendre le default. Donc évidemment, ça va me donner un truc qui n'a rien à voir avec Silex. Moi, ce que je veux, c'est qu'il prenne page 1, qui est le, vous rappelez, le layout que j'ai fait avec Silex. Je sauvegarde, je publie. Là, le temps que je parle, il va avoir quand même créé, j'espère, ma page test que j'ai créé dans test, voilà, avec Hello World, avec une, voilà. Donc ça, c'est, il a eu le temps de publier. Donc c'est le layout default avec le contenu Hello World. Vous voyez qu'il y a bien la faute d'orthographe. Et le temps qu'on parle, il va donc publier mon site avec la toute dernière truc qui est mon layout Silex. Allez. Le truc que vous allez remarquer tout de suite, c'est qu'en fait, dans mon layout Silex, bah, il n'y a pas mon contenu que j'ai rentré dans Sitelift. Pourquoi? Bah, parce que en fait, nulle part, je lui ai dit où est-ce que je veux le titre. Voilà, là, ça a publié mon site. Et là, tout mon contenu a disparu. Il n'y a plus que mon layout, quoi. Alors, ce que je voudrais, moi, c'est que le truc qui bah, teste mon site, mon titre qui est là, et puis Hello World, mon texte qui est là, je voudrais bien qu'il se retrouve quelque part dans mon site. Alors, où il faut l'indiquer à Jekyll quelque part. Eh bien, tout simplement, ça va se faire comme ceci. On va regarder comment il avait fait, lui, dans son layout avant. On va regarder dans slash layout, dans mes sources, là, toujours dans GitHub. Et on va regarder comment page, lui, il était fait, page.html. Ah ben, en fait, vous voyez, il a son titre. C'est en fait un petit markup comme ça, un petit bordel, là, ici, que je vais copier-coller. Voilà. Depuis mon ancien layout vers mon nouveau layout. Donc mon titre ici, je vais le mettre comme ceci, n'est-ce pas? Et je vais effacer le contenu qui est là et je vais mettre ce que lui il avait mis content, vous voyez? Ici là. Et ça, bah, vous savez que, enfin vous pouvez deviner que ça va être mon contenu texte, quoi. Voilà. Donc j'ai mis ce petit markup que j'ai copié-collé. Je fais sauvegarder dans Silex, publier dans Silex. Bim, ça va publier donc mon nouveau gabarit. Mon nouveau layout, quoi. Dès que c'est fait, je vais retourner dans mon CMS. Je vais lui dire utilise, voilà, utilise donc publish de nouveau, utilise pour mettre à jour, quoi. Voilà, donc je vais publier dans mon CMS. Et je vais enfin aller sur mon site et je vais constater que mon contenu qui était en fait ce qu'on appelle en dur, c'est-à-dire mon contenu texte ici, va être remplacé par le contenu que j'ai édité dans mon CMS. Et là, vous dites, ah, bah ouais, c'est là qu'il voulait en venir depuis le début. Donc le temps que ça publie, je récapitule. Dans Silex, je fais un design, je copie-colle un petit markup qu'on va revoir là vite fait, même plus que vite fait, et ce petit markup va être remplacé parce que mon client rentre dans Sitelift. Oh, ça c'est vraiment cool. Quand il veut. Voilà. Pour ça, alors je peux avoir plusieurs layouts, plusieurs designs, hein, et voilà, et mon contenu il est là. Je sais pas trop ce qu'il a fait, je vais republier. C'est peut-être juste. Ouais, non, c'était juste long en fait. Voilà, donc là vous remarquez que mon titre, il l'a remplacé ici, comme je lui ai demandé, ici. Vous voyez, j'ai bien mis page.title ici, et il me le remplace ici.
Le texte qui est là, le contenu, Hello World, il l'a mis là parce que je lui ai dit dans Silex, content ici. Vous voyez? Et j'ai mis bien dans Silex ça en titre, H2 là, et ça en paragraphe. Donc c'est pour ça que la mise en forme est différente. Ce qui est marrant aussi, c'est que dans mon texte ici, je peux y mettre de la mise en forme. Donc je vais lui dire, bah, je veux faire un titre, heading, je sais pas, heading 2 par exemple. Et là, je vais l'appeler title. Je vais plutôt l'appeler un titre parce que c'est pas le titre de la page, c'est un titre dans ma page, quoi. Un titre, voilà. Et je vais y mettre une image parce que je suis chaud, 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 lapin. Voilà. Upload file. Je vais y mettre une image de caractère totalement acceptable. Atelier, c'est où que j'ai mis mes images, moi? Ah bah voilà, à cet atelier, voilà. Donc je vais lui mettre un petit bonhomme comme ceci. Ça c'est vrai, ça c'est ce que va voir votre client hein, quand il éditera le contenu. Donc ça c'est vraiment cool parce que vous remarquez que non seulement c'est plus simple que WordPress, mais en plus c'est bon, voilà, c'est pas WordPress quoi. Voilà. Donc là je fais, j'ai mis une image, j'ai mis un titre, je fais save, je fais publish, poum poum poum, ça publie. Et en fait, j'ai édité le texte qui est ici, comme vous l'aurez bien compris. Si vous voulez, je vais attendre qu'il ait publié. Voilà. Donc, bon, bah, le temps que ça publie, je vais vous dire un peu quel est le problème. C'est que là, en fait, bah, c'est sympa là, ce qu'on a fait. Mais c'est une page qu'on a créée, qui s'appelle test.html, qui est là, qui contient un champ de texte dans lequel on a notre texte, mais en fait, il y a plein d'autres champs de texte là sur ma template que j'ai envie de rendre dynamique. Même le logo, je voudrais qu'il soit dynamique. Même cette petite image, je voudrais qu'elle soit dynamique et que mon client puisse l'éditer. Ah voilà, ça a construit. Donc vous voyez qu'il y a bien l'image, il y a le titre qui a bien la mise en forme de tous les titres de mon site. C'est important. Donc quand je modifie là ici dans Silex les titres 1. Avec l'outil là de tête. Quand je modifie les titres 1, ça modifiera bien les titres que mon client marquera comme titre 1. Voilà. Et vous voyez que cet éditeur de texte, il est très simple et il n'y a pas moyen de faire n'importe quoi. Alors il y a moyen aussi de le mettre en visuel. Voilà, si vous préférez. Plutôt que le Markdown pour votre client. Voilà. Il y a moyen de customiser beaucoup de choses aussi ici, mais je ne vais pas rentrer dans les détails pour le moment. Donc là, j'ai envie de changer les autres. Par exemple, tous ces trucs-là. Donc cette section-là, elle a quatre éléments. Bah, je voudrais créer quelque part dans mon back-office que mon client puisse dire, bah, je veux changer cet élément de cette section. Ah, bah, alors comment je vais faire? Eh bien, c'est là qu'on a besoin de, je vous le demande, de quoi déjà? De collection. Donc collection, collection, c'est très important dans Jekyll. Ça va nous permettre. Donc je fais nouvelle collection. Alors là, ça va être par exemple mes produits, d'accord? J'ai quatre produits que je veux présenter ici. Bon ben d'accord, je vais l'appeler donc la collection produits. Et je vais mettre un joli petit P majuscule pour que mon client il comprenne que c'est mes produits. Voilà. Donc du coup, pour mon client, il voit pas lui que c'est une collection. C'est comme des pages finalement. Lui, ce qu'il voit, c'est qu'il y a bien produit. Donc je veux rajouter des produits parce que pour l'instant, ma collection produit, elle est bien. Donc vous voyez que le back-office, en fait, contrairement à un WordPress, il est très explicite. C'est-à-dire que ça va être vraiment un back-office customisé pour ce site-là. Et pour chaque site, il sera un peu différent par contre. Voilà. Donc je fais plus produit. Voilà. Je vais rajouter un produit qui sera la petite. Je vais l'appeler du. Bah, comment ça s'appelle? C'est un produit. Bah, je vais l'appeler produit 1 parce que je suis un fou. Donc je vais l'appeler produit 1. Voilà. Tout petit, tout attaché, tout collé. Et je vais dire produit 1. Voilà. Je vais l'appeler produit 1. C'est super. Voilà. Ok. Donc ça, c'est mon texte. J'ai pas besoin de lui dire grand-chose d'autre. Je fais OK, sauvegarder. Je vais rajouter un deuxième produit pour qu'on puisse tester. Et puis il y en a quatre hein, là des produits, mais bon, je vais en mettre déjà deux. Donc là, produit, voilà, rajouter un produit. Là, je vais l'appeler produit 2. Et je vais mettre produit 2, c'est mieux. OK? Voilà. Et ce que je vais vous montrer, c'est comment faire en sorte que dans mon gabarit, ici, dans mon layout, bah, cette partie-là soit remplacée par produit 1, c'est bien, et cette partie-là par produit 2, c'est mieux. Ça vous va? Alors voyons vite fait que j'ai bien tout fait, j'ai bien produit 1, produit 2. Ok, c'est parti. Eh bien, dans Silex, ici, je vais me retourner ici, je vais tout simplement effacer tout ce contenu-là.
Et je vais mettre le petit markup suivant, qui est, alors je veux que ce soit dans un paragraphe, hein, parce que en fait, titre 1, titre 2, ce que je veux, je le mettrai en fait dans le CMS. D'accord? Ça, je peux dire. Donc dans le CMS, là, dans produit 1, là, je peux le mettre, je vais d'ailleurs faire ça, je vais dire produit 1, ça c'est un titre 1, voilà, heading 1, voilà, et ça c'est du texte normal. Voilà, je vais faire save, et puis pour produit 2, je vais faire la même chose, produit 2, j'ai produit 2, c'est mieux, tac, ça c'est un titre. Voilà. Dans Silex, comment je fais pour lui dire je veux. Alors, les bouts de code là, j'en ferai un jour des composants, ou vous pourrez en faire des composants, puisqu'on a vu la dernière fois que c'était facile de faire des composants. Mais là, pour l'instant, c'est des petits bouts de code dans le texte. Bon, si c'est un problème, il y a plein de documentation sur Jekyll et plein d'endroits où vous pourrez copier-coller ce genre de bout de code. Donc là, je l'ai appelé ma collection, je l'ai appelé produit. Donc je vais faire site.produit. Voilà, je l'ai bien appelé produit. Oui, je l'ai appelé produit. Et cette collection-là, en fait, je vais mettre un petit truc qui dit, ça ressemble à des bases de données where, c'est-à-dire où, le titre, donc title, est égal à produit 1. Voilà. Donc c'est une petite instruction quoi, que vous pourrez copier-coller ou tout simplement que vous pourrez comprendre comme moi je l'ai compris. Et je recopie la même chose à côté, sauf que là je lui dis, bon bah toi t'es produit 2. Voilà. Donc vous voyez ces deux petits bouts de code à copier-coller, ils disent, pendant que ça publie, je vais vous expliquer ce qu'ils disent, ou plutôt je vais d'abord publier et après je vous explique. Donc j'ai remplacé deux petits bouts de code, hein, j'ai créé deux collections qui font très bien dans mon back-office ici, et du coup je publie les changements. Voilà. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que là j'ai dit site.produit, ça c'est ma collection produit. Et ensuite je mets un petit petite barre verticale avec where title, virgule, produit 1. Donc je veux le produit qui vient de site.produit, mais dont le titre est produit. Hein, voilà. Bon. Hein. Alors, on est parti. Eh ben, ça n'a pas marché. C'est super. Alors, heureusement, je vais me relire. Ah oui, j'ai dit une connerie. Alors, en fait, ce qu'il faut dire, c'est pas exactement ça. C'est pas title, c'est where. Title, virgule, produit 1, bah si c'est bon. Mais je crois qu'il faut peut-être mettre des petites guillemets là, non? Alors, ouais, title, section. Bah oui, c'est ça, je vais mettre des petites guillemets autour de title et ça devrait marcher mieux. Hein. Vous avez vu que ça a été rapide à compiler cette fois-ci, enfin à déployer et tout ça. Ça dépend des moments. Des fois, il est un peu lent. Des fois, il est un peu rapide, le GitHub, le Jekyll, le Sitelift et le Silex, tout ça mélangé. Voilà, donc là, Silex republie avec des guillemets autour de title 1. De title plutôt. Donc je veux que title soit produit 1. Et là, j'ai bien un élément avec produit 1 qui s'appelle le titre et produit 1. D'accord, bon, bah, je publie mes changements. Voilà. Et je vais rafraîchir. Et je vais attendre un petit peu que ça marche. Parce que je suis sûr que ça marche. Donc. Là, ce qu'on va voir apparaître, évidemment, c'est mes deux produits ici. Et donc ça, si je le fais pour tout mon site, en fait, je peux tout rendre dynamique. Tous les textes et toutes les images. Et comme ça, je vais avoir produit, par exemple, si j'ai une autre section en dessous, About, là, je vais pouvoir créer une collection qui va s'appeler, par exemple, Footer, d'accord? Dont je vais mettre des éléments. Il y en a un, il s'appellera, par exemple, À propos. Et l'autre, il s'appellera Contact Us. Et puis, bah, mon client, il mettra bien ce qu'il veut là-dedans. Ok? Ça va? Voilà, ça y est, ça a remplacé. Produit 1, c'est super. Produit 2, c'est mieux. J'aurais dû mettre produit 1, c'est mieux. C'est bien. Enfin bref, même si ça rime pas, vous comprenez le truc. Alors, après, il y a des trucs aussi. Bah, je sais pas, par exemple, si vous voulez changer le numéro de téléphone ici, bon, ça. Vous voulez changer juste ce prix-là. Vous n'allez pas faire une collection qui s'appelle prix quoi. Ou bien voilà, juste vous n'avez pas envie de faire une collection, mais de faire plutôt un settings. Et ben c'est très simple. En fait, dans votre site ici, vous avez un autre truc qui s'appelle les settings. Vous vous rappelez, on a modifié des trucs là-dedans tout à l'heure, mais c'était un peu compliqué. Ben là, ici, si vous rajoutez donc une option un paramètre, vous allez pouvoir aussi le mettre dans votre back office, dans votre template, dans votre layout, pardon. Donc là, je lui dis prix.
Et là, je vais mettre 9 dollars au lieu de... qu'est-ce qu'il y avait là? Il y a $1,99. Et ben moi, je vais mettre $1,98 parce que c'est mieux quand c'est moins cher. Donc ça, c'est une nouvelle option que j'ai mise dans mon back-office. Donc du coup, mon client, lui, s'il a envie d'accéder un peu à des options un peu avancées, bah, vous pouvez lui mettre là-dedans. Voilà, c'est juste, en fait, je sais pas trop à quoi ça sert, mais si vous voulez, vous pouvez le faire comme ça. Et du coup, ici, vous l'avez deviné, ce que vous allez pouvoir faire, c'est toujours avec ce petit langage, site point, moi je l'ai appelé comment déjà? Je l'ai appelé prix, site point prix, voilà. Donc je le mets comme ça n'a pas trop de gueule dans mon layout, mais bon, je le publie et à la fin, tout le monde va dire, oh, bah oui, bah il y a le prix, hein, c'est beau, c'est bon, et c'est moins cher parce que donc ici vous avez vu je l'ai rempli en 98 dollars au lieu de 80 alors que là il y a écrit par défaut 99. Ça y est, Silex a publié, je retourne dans Siteleaf, je fais publier, Siteleaf a publié, je retourne sur mon site et j'attends que GitHub l'ait mis en ligne. Et là, si tout va bien, on va avoir écrit non pas $1,99 mais $1,98. Ouh, allez, soyons fous. Alors après ça, je vais peut-être vous montrer un autre truc qui est marrant aussi, tant qu'à faire. C'est que oui, c'est que. Allez. C'est qu'en fait, les pages. Alors on va retourner vite fait dans les pages là. Dans les pages, ici. About par exemple, ou bah, on va reprendre plutôt ma page test là qui était bien. Ma page test, en fait, là ici, il y a un truc new meta field. Et en fait, ce que vous pouvez faire aussi, ce que j'ai fait avec la config, là, bah, vous pouvez le faire aussi avec la page ici. Si vous voulez, par exemple, mettre en fonction de la page, vous voulez mettre un attribut prix. Et ben, et que du coup, on puisse mettre 98$ là, et que sur chaque page, ce soit différent, et ben, c'est possible ici. Je suis pas sûr d'avoir été très clair, mais en gros, on peut aussi, on n'est pas obligé, une page ou une section, même ici, là, on a écrit produit 1, c'est super, mais on pourrait avoir un prix aussi. On peut rajouter, en fait, des champs que le client, après, pourra éditer sans que ce soit du texte libre. Voilà. Donc là, le prix d'un produit, notamment. Bon, bah là, cette fois, GitHub, il prend vraiment son temps. Je crois que, de toute façon, vous avez compris, je vais pas, insister plus que ça. Je vais passer à des trucs qui sont beaucoup plus techniques. Attention. Tic, 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 que je vérifie que j'ai rien oublié. J'ai rien oublié. Customize. Ah oui. Bah en fait, si, il y a un truc que j'ai oublié, c'est le SEO. C'est quand même important pour vos sites, le SEO. Donc, en fait, dans Siteleaf, ici, vous avez dans les settings, vous avez ici, donc, par exemple, une description. Mais vous pouvez rajouter un peu ce que vous voulez, des tags, ce que vous voulez. Et cette description-là, eh ben, dans mon layout Silex, ben, je vais pouvoir utiliser les outils SEO de Silex, donc là dans les settings ici, et utiliser, par exemple, dans SEO website description, vous voyez, ici je vais pouvoir aussi utiliser le petit bout de code magique. Je vais vous le mettre plus gros pour que vous le voyez bien. Site.description. Et ça va y mettre ce que mon client ou moi, je remplis dans description. Et pour le coup, ça c'est pour tout le site. Voilà. Sauf que le SEO, vous allez vouloir, donc c'est valable aussi pour la langue du site, pour plein de choses, mais vous allez vous vouloir que chaque page ait sa description. Donc là, je suis sur test.html, qui utilise bien mon gabarit, mais moi je voudrais que la page, elle ait ma description. Et bien c'est très simple, on va faire la technique que je vous ai dit tout à l'heure. On retourne dans ma page, test. Là, si j'avais test 1, test 2, test 3, bah, à chaque fois, j'y mettrais description pour que mon client, quand il crée une nouvelle page où il édite, il puisse test description. Voilà. Et ça, je vais faire sauvegarder. Dans mon gabarit ici, je vais lui mettre non pas site.description, qui est celle au niveau de tout le site, au niveau de la config, mais je vais y mettre page.description. Voilà. Et ça va vouloir dire. Pour chaque page, je vais avoir une description différente. Mais je peux aussi décider de mettre les deux. Donc, je peux mettre site.description, espace, page.description. Dans ces cas-là, pour Google, c'est pas mal parce qu'il aura ce que j'ai défini au niveau de mon site ici, plus ce que j'ai défini au niveau de ma page ici. Voilà. Donc, je ne vais pas vous montrer parce que ça ne se verrait pas. Parce que c'est Google qui voit ça. Mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Je vous ai réveillé avec mon... comme ça. J'espère que vous êtes vraiment content d'avoir vu qu'on peut faire des énormes sites avec plein de contenu et surtout des sites que mon client peut éditer lui-même.
On peut aussi faire des blogs, mais c'est moins simple, c'est moins facile et je l'ai jamais fait, donc je vais pas vous le montrer. Je vous montrerai sûrement dès que je l'aurai fait. Il y a cette technique-là que je viens de vous montrer pour éditer du contenu, je l'ai utilisée sur mon super site cto-bro.com, qui est donc en version française et en version anglaise. Donc vous voyez, il a un design qui est le même. En fait, j'ai fait qu'un seul gabarit. Voilà, donc qui est assez quand même assez sympa, hein. Il y a quand même beaucoup de sections, voilà, il est en français, anglais, du coup, et j'ai pas eu besoin de toucher à Silex pour le traduire. Si je voulais faire la version espagnole, bah juste j'irais dans Sitelif, je créerais une page, je sais plus où c'est, Sitelif. Vous le voyez pas là, mon site CTO Bro, est-ce que vous le voyez là? Non, vous ne l'avez pas vu. Donc mon site CTO Bro que je voulais vous montrer, en fait je me suis trompé de fenêtre, il est là. En France, en anglais, en français, il a une petite mise en page qui est plutôt sympa, avec des trucs comme ça. En anglais ou en français, même délire. Voilà. Il y a aussi un truc qui est intéressant dans ce site, donc qui est vraiment designé complètement dans Silex et complètement exploité. Enfin le contenu vient complètement par contre de Sitelif. Il y a un autre truc que je voulais vous montrer, mais je l'ai oublié, donc c'est pas grave. Voilà. Quoi d'autre? Bah voilà, il me semble que c'est bon. Vous avez plus qu'à aller voir vos clients et à leur dire WordPress c'est bien, mais moi je vais vous faire un truc qui coûte moins cher à héberger, qui n'a pas besoin de maintenance, que je vais faire beaucoup plus vite le design dans Silex qu'en HTML, CSS dans WordPress avec l'API WordPress. Et aussi, votre back-office, il sera complètement customisé en fonction de votre site. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément écrit, par exemple, page, mais il y aura peut-être écrit produit. Voilà. Il y aura peut-être écrit les chaussures, les sacs à main, les machins directement dans le back-office au lieu d'avoir des trucs génériques comme il y a souvent dans WordPress quand on ne prend pas le temps de tout customiser en PHP à la main. Voilà, merci, à bientôt, utilisez silex.me, salut!